Salut les amis, c'est Ludo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Il va s'agir d'un On My Shelf. Avec mon super accent anglais comme d'habitude, je pense que vous devriez peut-être déjà connaître le principe du On My Shelf. Le principe est assez simple, je vous ai demandé sur les réseaux sociaux de me donner trois numéros. Le premier inclut entre 1 et 3 qui désigne mes bibliothèques, 1, 2, 3. Le deuxième entre 1 et 8 qui désigne l'étagère, sauf qu'il n'y a que 6 étagères par bibliothèque. Mais quand vous m'aurez dit 8 par exemple, je compterai les 6 et puis je remonterai de 2. On sent le booktuber qui n'était absolument pas préparé et qui n'est pas monté compter combien d'étagères il y avait, mais c'est pas grave, on fera avec. Et le troisième chiffre, 1 à 50, qui correspond au livre, même s'il n'y en a pas 50, je ferai la même chose, je partirai de l'autre côté. Le principe, c'est quoi? C'est que chaque chiffre désignera un livre et je vous en parlerai. Soit si je m'en souviens, mais vous connaissez ma mémoire, assez en détail en vous disant ce qu'il raconte et compagnie. Si je n'en ai plus aucun souvenir en vous racontant comment je l'ai découvert, pourquoi je l'ai lu et compagnie, je crois que ça pourrait être assez drôle et voilà, c'est le jeu que je vous propose. J'espère que ça vous plaira et je vous propose de commencer tout de suite. Je suis assez excité, ça m'amuse assez de faire cette vidéo. Donc on Donc a bah les c'est chiffres parti. ici avec ma super écriture et puis on va aller chercher les livres qui correspondent à ces chiffres. Donc c'est parti, le premier c'est le numéro 1, le 1, donc c'est cette bibliothèque-là, rayon 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est la toute dernière et c'est le 18e livre. 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Premier livre, il s'agit donc de 2017, l'année des légendes de Jean Courcel, et c'est aux éditions Talents Sport. Alors ce livre, il raconte quoi? Ben, en fait, c'est tout simplement une récapitulation, un récapitulatif de l'année 2017 dans le tennis. Vous savez que c'est un sport que j'aime beaucoup. Et donc, fin de l'année dernière, j'avais vu que ce livre sortait et j'avais demandé à la maison d'édition si je pouvais le recevoir. Et la maison d'édition avait très gentiment accepté. Si vous ne suivez pas le tennis, il faut savoir qu'il y a trois joueurs qui ont le monopole, si on peut parler comme ça, qui sont largement au-dessus de tous les autres joueurs, c'est Nadal, Federer et Djokovic. Sauf que l'année dernière, Djokovic était blessé, en tout cas ça allait assez mal pour lui. Et donc les deux joueurs qui ont largement mené toute l'année, c'est Federer et Nadal, puisqu'ils ont tout gagné à eux deux. Et donc le livre revenait sur leur parcours pendant toute l'année et sur les tournois les plus importants de 2017. Donc voilà, c'était à chaque fois des pages comme ça consacrées à chaque grand chelem, les grands chelems étant des grands, grands, grands tournois les plus courus de l'année. Il y en a quatre dans l'année, je ne sais pas si je viens de le dire. L'Open d'Australie, il y a aussi Roland-Garros. Il y a Roland-Garros chez nos amis français. Il y a Wimbledon à Londres, en Angleterre. Et enfin, il y a l'US Open aux États-Unis. C'est pour ça qu'on l'appelle l'US Open. Et donc en 2017, Federer en avait gagné deux et Nadal en avait gagné deux aussi. Le livre était très complet, revenait sur toute l'année, sur les grands chelems comme je viens de vous le montrer, mais aussi sur tous les autres tournois, en donnant tous les résultats de toute l'année et en se concentrant sur les filles aussi. Donc c'est vraiment un ouvrage que j'avais adoré, qui est très bien fichu et qui pourrait vous intéresser si vous êtes fan Le de deuxième, tennis. maintenant, on est dans la bibliothèque numéro 2, c'est celle-ci, quatrième étage. 1, 2, 3, 4, c'est celle-là. Et c'est le livre numéro
25. 1, 2, 3, 4. 4. Et donc, le numéro 2, il s'agit de November 9 de Colleen Hoover aux éditions Hugo dans la collection New Romance. Alors, est-ce que je me souviens de ce roman? Je ne l'ai pas lu il y a si longtemps, hein, donc ça devrait aller. Par contre, pour les prénoms, je vais devoir regarder, ça c'est sûr. Donc là, oui, voilà, la fille s'appelle Fallon, l'homme s'appelle Ben. Et en fait, l'histoire, c'est que... l'histoire, donc, c'est Fallon qui rencontre Ben complètement par hasard quand ils sont au restaurant. Ben est écrivain, mais ne s'en sort pas super bien. Fallon, elle, elle est actrice et ne s'en sort pas super bien non plus. Ils se rencontrent, c'est le coup de foudre, ils passent quelques heures ensemble et ils s'attirent déjà énormément. Le problème, c'est que Fallon, elle, doit reprendre l'avion parce qu'elle décide de partir à New York pour relancer sa carrière, je pense. Oui, c'est ça. Et alors il décide tout simplement de se revoir une fois par an le 9 novembre, puisque leur première rencontre, c'est le 9 novembre. Ça va durer quelques ans et puis au fur et à mesure, enfin, il va y avoir des grains de sable qui vont venir dans la machine, ce qui va faire qu'ils vont louper une fois, je pense, un truc comme ça. Mais bref, l'histoire, c'est comme ça. Et je me souviens que j'avais beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé. J'avais beaucoup aimé le fait qu'il y ait cette date, ce rendez-vous annuel qu'on ne rate pas et et pour lequel on fait tout pour être à l'heure. Ça, c'était plutôt cool. Donc ça, j'avais beaucoup aimé. Donc je On garde est un bon donc souvenir maintenant de à ce la livre. troisième bibliothèque, septième étage. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, c'est celui-là et c'est numéro 48. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9, 10, 11, 12, 13, 14. Cette fois-ci, on change complètement d'univers, vous l'avez vu, puisqu'on est dans le thriller avec le tout dernier, Franck Tillier, qui est sorti, le manuscrit inachevé aux éditions Fleuve. Je me serais bien passé de tomber sur ce livre-là parce que déjà je l'aime beaucoup, mais il est assez compliqué à résumer et encore plus quand on a une mémoire de merde comme moi, qui l'ai lu il y a déjà 3, 4, 5, 6 mois, hein? Ça devait être. Il est sorti en mai, il me semble, mais je l'avais reçu en avril, donc ça commence à faire quelques mois. Si je me souviens bien, on suit deux histoires en parallèle. Tout d'abord, un accident. Où le chauffeur est tué, mais on retrouve dans son coffre le corps d'une femme. En tout cas, le conducteur, je sais plus s'il est tué ou s'il est arrêté. Toujours est-il qu'on retrouve dans son coffre le corps d'une femme qui a été mutilée, et bah, le conducteur, ce n'était pas lui, a priori, le responsable, puisque la voiture ne lui appartient pas. Donc il a volé une voiture, mais pas de bol, il a volé la voiture d'un meurtrier assassin. Et en parallèle de ça, on va suivre une jeune femme qui s'appelle Léa. Léam, j'y étais presque. Léane, qui mène une double vie puisqu'elle est professeure. Oui, institutrice, mais en même temps écrivaine parce qu'elle ne veut pas que ça se sache que c'est elle qui écrit les livres. Et bah, vous vous doutez bien que les deux histoires vont se rejoindre à un moment ou à un autre, c'est du Franck Tillier, il ne faut pas l'oublier. Mes souvenirs que j'ai de ce roman, c'est que tout d'abord, il y a une fin qu'on est censé avoir compris nous-mêmes en lisant le livre, parce qu'il y a des indices ici et là. Moi, j'ai absolument rien compris. Pour moi, c'est une fin ouverte. Ça ne l'est pas parce qu'on est censé deviner, mais pour moi, ça l'est. Et puis, ce qui est très drôle, c'est que c'est le livre dans le livre dans le livre, puisque vous avez le livre dans lequel on suit un livre écrit par quelqu'un dans lequel il y a une autrice. Donc, c'est Inception, ce livre. Tout le roman est très bon, comme d'habitude, c'est du Franck Tillier, je viens de le dire, sauf la fin que j'avais détestée, mais sinon, bah, je vous le conseille, mais franchement, je suis pas sûr que Franck Tillier ait encore besoin
de publicité, n'est-ce pas? Ensuite, on retourne à la première bibliothèque et les chiffres, ce sont le 111. Donc, premier étage, premier livre. Ah, on reste dans le sérieux cette fois-ci quand même, puisque le nouveau livre que vous avez choisi finalement, il s'agit du 22/11/63, le livre de Stephen King aux éditions Le Livre de Poche, une belle, belle, belle bricasse. Alors dans ce livre-là, on va suivre quoi? Bah écoutez, j'ai un très bon souvenir du début et de l'histoire en général, plus aucun sur la fin. Comment ça se termine? Donc on va suivre un garçon qui est prof, il me semble, et qui a un copain qui tient une friterie, hamburgerie, un truc comme ça, où on vend des frites, des hamburgers et compagnie. Cette friterie a très bonne réputation parce que la viande est excellente et elle a le même goût que dans le temps. Tout se passe bien, hein, on découvre l'histoire et à un moment, on va découvrir que celui qui tient cette friterie, en fait, en allant dans sa réserve, a une espèce de faille temporelle qui lui permet d'aller dans les années 60. Et son grand projet, c'est d'éviter que Kennedy se fasse tuer. Il ne veut pas que Kennedy se fasse assassiner et il veut absolument remonter dans le temps. Il n'arrive pas au 22 du 11, hein. Il arrive quelques mois avant quand même, pour éviter que Kennedy se fasse assassiner. Sauf que cette personne ne peut plus le faire parce qu'elle est très malade et elle ne saurait pas. Elle n'a pas le courage, l'énergie et le physique pour le faire. Et elle va donc demander à son copain, le professeur, il va donc demander à son copain, le professeur, d'y aller à sa place. Voilà le début, c'est très bon, c'est très long, c'est du Stephen King, je crois que c'est ça. Sa marque de fabrique, mais c'est excellent, forcément. Moi, je l'ai bouffé en plus. Moi, vous connaissez Kennedy, les États-Unis et compagnie. Voilà, mais c'est assez long. Et puis, il faut se farcir quand même 1040 pages, hein, donc il faut quand même y aller. Mais j'avais adoré, et je vous le conseille si vous avez le courage. Deuxième bibliothèque, septième étage, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12. 1, 2. Eh ben celui-là, vous le connaissez, je vous l'ai présenté il n'y a vraiment pas longtemps. Il s'agit de Spring Break de Anne Fox aux éditions Addictives. Donc, dans ce roman, on va suivre, par contre, les prénoms, même si ça fait pas longtemps. On va suivre Ella, qui est une jeune étudiante plutôt pauvre comparée à ses copains, puisque tous ses copains sont riches. Elle est très sérieuse, elle est très... dans les études, il faut pas faire le con, c'est des années importantes, les études c'est important et compagnie. Et un beau jour, pendant qu'elle est en train d'étudier, sa meilleure amie vient la voir en disant « Écoute, Ella, tu lâches tout, on s'en va, on va à Cancun, au Mexique, faire le spring break. » Le spring break, c'est quoi? C'est une tradition américaine qui veut que qu'on aille pendant les vacances au Mexique et que pendant ce séjour-là au Mexique, on fait ce qu'on veut. Voilà, on boit, on se drogue, on fait l'amour, on fait ce qu'on veut, on devient complètement déjanté. Ella va accepter, mais difficilement, mais bon, bref, elle y va, et sur place, elle va tomber sur un mec qu'elle connaît depuis des années, hein, qui fait partie du groupe, qui s'appelle Hunter, mais elle déteste Hunter parce qu'elle trouve qu'il est arrogant, que c'est un péteux, quoi, il pète plus haut que son cul. Etc. Sauf que bah, vous connaissez les histoires de romance, voilà. Mais c'est bien, il y a un groupe d'amis, il y a une vraie petite connasse, il faut le dire le mot qui est, et puis il y a un petit côté un petit peu plus sérieux, parce que Hunter risque sa vie pour le bien. C'est un bon gars, Hunter. Troisième bibliothèque, cinquième étage, 25e livre. Ah, on repasse au thriller avec De Force de Karine Guébel aux éditions Belfond. Ben ça y est, je ne sais plus du tout l'histoire de ce roman. C'est le premier. Ça devait arriver à un moment ou à un autre, mais il me semble que je l'ai lu il y a 2 ans quand même, hein. Voilà. Alors, comment j'ai connu ce roman? Du coup, je l'ai connu parce que j'étais en partenariat. Je suis en partenariat avec les éditions Belfond.
Et c'est eux qui m'ont proposé de me l'envoyer. J'avais dit oui. J'ai par contre un très bon souvenir de mon ressenti, puisque je me souviens que l'auteur en dit beaucoup trop à un moment et trop tôt. Et donc on devine la fin bien plus tôt que prévu. Et je me souviens de la fin, que ça se passe dans des montagnes, dans des chemins sinueux, etc. Je me demande s'il n'y a pas un accident de voiture à la fin, un truc comme ça. Bref, je viens pas de spoiler hein, l'accident de voiture, c'est pas, ça vous dévoile pas tout. Hein. Ne m'insultez pas. Bref, voilà, c'est tout ce que je me Septième souviens de étage, ce roman. 31. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 31. Ah, le premier young adulte de la vidéo. Ici, il s'agit de 7 secondes de Tom Easton aux éditions Lumen. C'était un vrai coup de cœur, ça reste un coup de cœur, j'en garde un excellent souvenir. Maintenant, pour raconter l'histoire qui est quand même assez complexe avec les souvenirs qui commencent à s'étioler, on va suivre ici l'histoire d'un monde futuriste. Où toute personne, où il y a la grande majorité du monde qui n'est pas très très sûr, et puis il y a un cœur dans le monde où tout est sécurisé, où tout le monde est en sécurité et compagnie, et tout le monde dans cette partie sécurisée du monde, je crois qu'on les appelle les îles. Tout le monde vit avec une puce dans son cou, puce assez futuriste qui vous permet de voir, d'appeler à l'aide, d'appeler les secours, de téléphoner, de voir les messages, de voir un plan de la ville devant vos yeux et compagnie. Et puis il va y avoir Mila qui va débarquer dans les îles parce qu'elle veut absolument y habiter. Je vous laisse découvrir pourquoi, surtout parce que je ne m'en souviens plus. Et donc quand Mila, pardon, arrive, comme tout le monde, on va lui implanter une puce. Sauf que au moment où on veut lui implanter une puce, on se rend compte que dans sa nuque, il y a une bombe. Du coup, on lui dit, mais non, t'inquiète pas, on va regarder ce que c'est et compagnie. Mais Mila comprend très vite qu'elle est en danger, parce que forcément, les gens, ça leur plaît pas qu'elle a une bombe sur elle. Elle-même ne se souvient absolument pas d'où vient cette bombe et compagnie. Et donc, elle s'enfuit, sauf que la puce permet de savoir où sont les gens. Donc, elle a que 7 secondes d'avance sur ceux qui la suivent. Voilà. C'était excellent. J'en garde un excellent souvenir. Coup de cœur, coup de cœur, coup de cœur. Lisez ce livre. Deuxième bibliothèque, sixième étage, c'est celui-là, tout en dessous. Numéro 34. Ah, Gris, c'est pas facile de vous en parler parce que c'est pas un tome classique et compagnie. Je vais y passer très vite parce que je sais que vous détestez 50 nuances de gris, en tout cas la grande majorité d'entre vous. Et puis surtout, surtout parce que qui ne connaît pas 50 nuances de gris? Gris, en fait, donc c'est le premier tome de la saga originale, donc 50 nuances de gris, mais du point de vue de l'homme, du personnage masculin qui s'appelle Christian. Et donc on redécouvre toute l'histoire, mais du point de vue de Christian. Voilà, que dire d'autre à part le fait que j'ai surkiffé moi, mais moi j'adore cette saga et j'adore, j'adore, Septième j'adore, étage, j'adore, j'adore. 24. Un autre pavé, on dirait que c'est la vidéo spéciale pavé cette fois. Il s'agit de Toute blesse, la dernière tue de Karine Gebel aux éditions Bellefond. Regardez-moi ça. Je l'ai lu il y a assez récemment, je pense que c'était en mars-avril aussi. Dans cette histoire, on va suivre, je ne sais plus comment s'appelle la jeune fille. On va suivre une très très jeune fille qui vient de l'étranger et elle va se faire embrigader. En fait, ses parents la confient à une famille française, parce que ses parents sont très pauvres et donc n'arrivent pas à s'occuper d'elle. Et puis surtout, ses parents veulent qu'elle ait un avenir beaucoup plus radieux qu'eux-mêmes. Et donc, ils confient la fille
à une famille française en pensant que cette jeune fille va être bien élevée, bien éduquée, va aller à l'école et compagnie. Sauf que cette petite fille va être soumise à l'esclavage et va devoir s'occuper de la famille pour laquelle elle a été donnée. Et c'est une histoire mais bouleversante à plus d'un titre et à plus d'un moment parce que cette jeune fille se fait maltraiter mais dans tous les sens. Elle a des sévices corporels. À un moment, elle a même des sévices sexuels. Elle se fait, mais c'est vraiment. Moi, il y a certains moments, j'ai dû refermer le livre tellement c'est dur. Mais d'un autre côté, c'est d'une addictivité extraordinaire. Une fois que vous commencez ce livre, vous ne pouvez plus le finir. Et il ne vous laissera pas. Il ne vous laissera pas de marbre parce que cette histoire de viol, d'esclavage et les conditions dans lesquelles elle vit, voilà, c'est vraiment, vraiment, vraiment. C'est Tama qu'elle s'appelle la fille. Voilà, c'est Tama. C'est vraiment, waouh. Lisez ce livre, Le 1, c'est 6, magnifique. 27, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 27e livre. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Ensuite, on retourne dans de la romance Young Adult avec du Another Story of Bad Boy, l'épisode 1 de Mathilde Aloha. Ici, on va suivre l'histoire de. Je crois qu'elle s'appelle Lily, qui arrive à l'université, toute contente, toute fière, c'est son premier jour, etc. Et comme elle arrive à l'université, ben, ça commence à être la vie d'adulte et elle va vivre sur le campus. Sauf que quand elle s'est enregistrée et qu'elle a demandé pour avoir une chambre, il y a eu un problème dans les réservations. Et au lieu qu'on la mette dans une chambre avec des filles, on l'a mise dans une chambre avec des garçons. Elle va donc ne pas avoir le choix et devoir vivre avec deux colocataires, Cameron et Evan. Et bah, c'est une romance, je vous laisse deviner la suite. Rassurez-vous, il n'y a pas de triangle amoureux. Par contre, Evan est très gentil, il accepte, parle avec elle et compagnie. Tandis que Cameron, lui, se comporte comme un connard, l'envoie chier, et ça se passe assez mal avec lui. Et puis, il va y avoir des rapprochements, il va y avoir des histoires entre adolescents. Il y a un passé assez lourd et assez sombre concernant une de ses amies. Et puis, voilà, j'ai beaucoup, beaucoup aimé cette histoire. C'est aussi un gros, gros pavé, mais ça se lit à une vitesse extraordinaire. C'est très addictif aussi, et ça devrait vous plaire, je pense. Si vous aimez la romance. 2, 27. Ah, on reste dans la romance, décidément, avec le tome 1 de la saga de Team qui s'appelle Compétition, et c'est écrit par Linda Escher aux éditions Harlequin dans la collection EH. J'ai très peu de souvenirs de cette saga, pourtant je l'avais plutôt bien aimée, mais elle date, à mon avis, il y a bien un an et demi. On est ici dans le milieu du hockey. Et plus précisément d'une fille qui s'appelle Samantha, c'est vrai. Et en fait, Samantha est très sérieuse, elle est très dans son sport, elle ne veut pas d'écart, elle ne veut pas tomber amoureuse et compagnie. Et un beau jour, elle va craquer pour Dylan Riley, qui est un hockeyeur aussi. Ils vont passer une nuit ensemble, et c'est de la romance, vous connaissez la suite, il y a des sentiments qui naissent, etc. Mais ça va vraiment, vraiment pas être un long fleuve tranquille. J'en garde un très bon souvenir, même si je. Vous savez, moi, ma mémoire. En général, les livres, je me rappelle si j'ai aimé ou pas. Mais me rappeler plus que ça. Mais j'ai passé un très bon moment. C'était une chouette saga qui est en 3 tomes. Et pourquoi pas Ensuite, on laisser est au d'autres 3, 8, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8. Et on repasse au thriller avec Runner, cette fois-ci de Patrick Lee aux éditions Albin Michel. J'en garde un excellent souvenir, ça avait été un coup de cœur aussi. Mais j'ai un peu de mal à me souvenir du fond de l'histoire. Je me souviens même que je l'avais, quand je l'avais chroniqué, je vous avais dit, je suis pas sûr que dans quelques années je m'en souviendrai parce qu'il se passe énormément de choses. En fait, c'est une jeune fille. L'histoire démarre sur une jeune fille qui court pour échapper à des assaillants et quand elle court,
Pendant qu'elle est occupée à courir pour échapper à ces sales types, elle croise le chemin d'un ex-agent des forces spéciales, et cet ex-agent des forces spéciales va sauver la jeune fille en faisant fuir ceux qui la suivent. Le seul problème, c'est que ben, y a toute une partie gouvernementale derrière et compagnie, et ben, l'agent, en voulant aider cette jeune fille, s'est mis dans la merde. Et la jeune fille et l'ex-agent des forces spéciales vont devoir échapper au gouvernement et surtout devoir mettre au jour un grand complot, etc. C'était hyper bien fait, c'était hyper rythmé, ça commençait sur les chapeaux de roue. J'avais pas été déçu de tout le long du roman. Bref, c'était vraiment, vraiment génial. Et si vous ne le connaissez pas ou ne l'avez pas encore lu, je vous conseille d'y jeter un coup d'œil pour voir si ça pourrait pas vous plaire parce que 1, c'était vraiment 5, génial. 1, 2, 3, 4, 5, combien? 49. On va peut-être couper un peu parce que ça dure longtemps, les amis. Et ben on retourne au young adulte avec qui ment le écrit par Karen McManus aux éditions Nathan. C'était au mois de mars, voilà, épreuve non corrigée, 22 mars 2018. Ce livre-là, c'est un young adult thriller, mais thriller plus young adult que thriller, hein. Donc ici, on va suivre l'histoire de lycéens qui sont 5 dans une salle de classe parce qu'ils sont en colle, ils sont punis donc, hein, ils ont des heures de colle. Et pendant ces heures de colle, il y en a un des 5 qui va mourir. Voilà. Pourquoi il est mort, comment il est mort, comment ça se fait. Et puis surtout, bah, il y avait 4 autres personnes dans la pièce, donc eux, ils doivent bien savoir. Et ça doit bien être un de ces 4-là qui l'a tué, mais lequel des 4? Ils ont chacun leur version de l'histoire. Il y en a forcément un qui... Lequel? Dernier numéro dans la deuxième bibliothèque. 1, 2, 3, 4, 5, 6, numéro 27. Bon, je pense qu'il n'y a pas besoin de chercher plus loin. C'est du 50 nuances de gris. Vous connaissez tous l'histoire. En plus, c'est le tome 3. Donc, il faudrait pas spoiler. Mais c'est peut-être l'un de mes préférés. Parce que bah, forcément, c'est la conclusion. Forcément, ça se termine comme j'aime bien, comme je le voulais. Et donc, bah, j'aime beaucoup ce roman, mais pas la peine d'en faire tout un plat, je pense que vous Et connaissez enfin, le tous. dernier dans la dernière bibliothèque, 1, 2, 3, numéro 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15. Ah bah là, on termine franchement sur une bonne note, puisque le dernier livre que vous avez choisi, il s'agit de La vérité sur l'affaire Harry Geber de Joël Dicker aux éditions De Fallois. Je ne sais pas s'il n'est pas déjà assez connu ce roman, parce qu'il avait fait un tel boucan quand il est sorti et il continue à faire un tel boucan. Ici, on va suivre l'histoire d'un jeune écrivain qui s'appelle Marcus Goldman, qui a écrit. Qui est jeune écrivain, donc, hein, qui est déjà assez connu, puisque ses romans fonctionnent plutôt bien. Ce jeune Marcus a un mentor, un grand écrivain très connu depuis des années, qui s'appelle Harry Geber, forcément. Un jour, on retrouve dans le jardin d'Harry Geber un cadavre d'une femme, et forcément, bah, il se fait tout de suite arrêter. Ça fait la une des journaux, il est le coupable idéal, etc., etc. Sauf que Marcus ne veut absolument pas croire que son mentor ait pu faire ça, et donc Marcus va rejoindre le New Hampshire, où tout se passe, et Marcus va enquêter sur le meurtre de cette jeune fille pour innocenter son amie. C'est exceptionnel ce bouquin. Moi, j'ai passé un excellent moment. C'est pas le style n'est pas génial, c'est un style court, très direct, très 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 poum, mais c'est super addictif. On tourne les pages à une vitesse exceptionnelle. L'enquête est géniale. La fin m'avait beaucoup plu. Tout m'avait plu dans ce roman. Et qu'est-ce que j'avais aimé. En plus, il y a bientôt une adaptation à la télévision. Vous pouvez être sûr que je ne raterai pas cette.
rediffusion. Enfin, cette... Ah ben voilà, c'est comme ça que se termine cette vidéo, ce premier numéro de On My Shelf. Je pense que je m'en suis plutôt bien sorti, surtout quand on connaît ma petite mémoire de poisson rouge. J'espère surtout que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous, c'est gratuit et ça fait plaisir. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Ciao!